Bonsoir tout le monde. Je suis ravi d'être là avec vous, nombreux, c'est chouette. Et donc, ce soir, je suis là pour vous parler d'OpenAPI. Petit moment corporate. Je suis donc développeur chez Marmolab. Marmolab, c'est une société de services. On est très nombreux en France. On est deux à Caen. Ils sont 12 à Nancy et il est un à Dijon. Voilà, alors on fait du service, hein, on développe des projets web, etc. Je vais vous dire pourquoi j'aime bien être chez Marmolab, parce que j'aime bien être chez Marmolab. C'est parce que finalement on n'est pas si nombreux que ça. C'est parce qu'on bosse vraiment en agile, c'est-à-dire qu'on ne facture que des sprints. On choisit nos technos, on choisit nos clients. On fait de l'open source et on se questionne en vrai sur l'impact de Marmolab sur notre environnement. Donc voilà, c'était le petit moment corporate. C'est une chouette boîte. Pourquoi je viens vous parler d'OpenAPI? Ça me semblait intéressant de donner du contexte. Je vais y revenir. Il y a 2 ans, il y a 20 éditions des Cancamp, j'avais fait une conf sur GraphQL, la fin du reste. J'aime beaucoup GraphQL et ça promettait plein de choses, etc. Et comme souvent dans nos milieux, quand on a une nouvelle techno et qu'on l'adopte et tout, on méprise un petit peu les autres. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait du GraphQL, je méprisais un petit peu le reste, je regardais ça de loin, etc. J'ai fait ça depuis que je fais du JS, je déteste le PHP. Les gens qui font du PHP, enfin, vous connaissez le truc. Sauf que le GraphQL, c'est pas facile d'en faire chez le client. Je suis sur un projet client où pendant 2 ans, on a ramé pour essayer de faire du GraphQL. Au bout du compte, qu'est-ce qu'on a fait? On a réussi à faire du GraphQL, mais on a mis une API REST devant. Parce que tous les clients qui consommaient l'API, ils disaient niet, GraphQL, nous on n'en fait pas. Pour plein de mauvaises et de bonnes raisons. Mais en tout cas, on a fait beaucoup de REST. Et puis on s'est mis aussi à faire du. Truc sur le micro. On s'est mis à faire du. Alors pas des microservices, des espèces de macro-microservices. En tout cas, on a voilà, une grosse stack, beaucoup d'API. Et au bout d'un moment, le client, il n'était plus très content et il a dit c'est bien, vous avez plein d'API, mais nous, on n'a pas d'infos dessus, donc allez-y, on a besoin d'OpenAPI. Il dit, OK, pas de problème, on sait tout faire, tout ça. Sauf que moi, OpenAPI, c'était un petit peu perdu dans la jungle des acronymes, de tous ces trucs-là. Alors, il y avait du reste, ça, ceci dit, on maîtrise, on connaît bien le truc, mais il y avait aussi un truc qui s'appelait le JSON-LD, puis il y avait le 8 TOA, ce que j'arrive toujours pas à prononcer. Il y avait le HAL, il y avait le, ça c'est le Mansory, le JSON API, l'Hydra et l'Open API. Et c'était un peu la why pour moi. Et avant de commencer à faire de l'Open API, j'ai besoin de faire un peu le ménage là-dedans. D'où le déroulé de mon talk ce soir. C'est-à-dire, d'abord, j'essaierai d'aborder la place d'Open API dans ce que j'ai appelé la jungle du REST, donc de tous ces acronymes qu'on vient de voir. Après, on verra comment on écrit un contrat OpenAPI, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et puis une petite conclusion qui sera que la mienne. En tout cas, ce que moi j'en ai conclu. Donc, la place d'OpenAPI dans la jungle du REST. Déjà, on parle d'API. Tout le monde sait ce qu'est une API, pas besoin d'approfondir le truc. Ouais, tout le monde a utilisé une API. Ok, tout le monde a utilisé une API. Ah, j'ai dit que je ne le montrais pas. Ah, mais ça, c'est le mystère de la télécommande. Ah, c'est l'enfer. Elle va à l'envers. Ah, je suis désolé. Je vais retourner. Je vais prendre l'ordi, je vais arrêter la télécommande. Une API reste. Bon, je l'ai mis, il y a plein de textes, en vrai ça sert à rien, ça comblait le trou qu'il y avait en dessous. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec une API REST? Ou est-ce que je passe un peu de temps dessus? Qui a déjà utilisé une API REST? Ok, donc globalement ça va. On va dire que tout le monde sait à peu près ce que c'est. Bon, l'idée c'est que donc on a une URL, une URI comme identifiant de ressource. On utilise les verbes HTTP, POST, GET, PATCH, etc. Et on a les réponses, on a la réponse dans le body, le document servi dans le body.
Voilà, je voulais dire que je vais baser des exemples sur une équipe de roller derby. Alors pourquoi le roller derby? Parce qu'il y a trois super équipes de roller derby à Caen. Que c'est super spectaculaire et que c'est un milieu hyper inclusif, où bah, voilà, un respect de la diversité, etc. Qu'on ne retrouve pas systématiquement dans nos milieux de développeurs, j'ai l'impression. Et ma femme en fait. Donc là, typiquement, bah, j'ai dit que je passais un CRUD, voilà, l'ensemble des appels qu'on peut faire si on veut avoir des infos sur des joueurs ou des joueuses de roller derby. Donc le reste, par contre, c'est un type d'architecture. Ce n'est pas du tout une spécification, ce n'est pas du tout un standard. Et notamment, REST, il dit les verbes qu'on va utiliser, le fait qu'il faut des URL uniques, etc. Par contre, il y a des choses qu'il ne dit pas. Il ne parle pas du format de la réponse. Une API REST, elle peut retourner du XML, du CSV, etc. Bon, là, je vais couper un peu court à ça en disant, bon, c'est pas, on s'en fout, on fait du JSON en vrai. On pourra en parler, etc. Mais dans le cadre de ce qu'on va dire ce soir, c'est pas hyper intéressant. On ne sait rien sur la signification des données. On a des documents qui sont retournés, mais voilà, sauf si on est dans le business, etc., on n'a pas forcément d'infos sur la signification, la sémantique, en gros. On n'a pas forcément de connaissance des liens entre les objets qui sont retournés. Si j'ai un player, une team, c'est quoi le rapport entre les deux, comment ça s'organise? Et puis, on ne saura pas forcément comment naviguer dans l'API, être sûr de c'est quoi le endpoint, si j'ai une liste, comment je la pagine. Voilà. Tout ça, le reste, il dit rien là-dessus. Du coup, bah, tous les acronymes dont je parlais, hein, ils essayent à peu près de répondre à cette question-là. J'ai séparé ça en deux grands groupes, à mon sens, en tout cas, c'est ce qui me semblait logique. Alors, la première question, c'est donner du sens à la donnée qui est retournée. Et ça, bah, c'est l'acronyme JSON-LD. C'est donc JavaScript Object Notation pour JSON, Linked Data. Et en gros, c'est quoi cette recommandation qui est quasiment un standard, hein, d'ailleurs, c'est la seule qui est gérée au sein du W3C. On peut presque parler d'un standard dans le cadre du JSON-LD. Et alors, c'est quoi l'idée? C'est qu'on va essayer de rajouter à l'objet JSON qui est retourné par notre API REST, JSON. Je vais dire JSON jusqu'à la fin. Imaginons, là, j'appelle, voilà, en get, je veux l'info sur une joueuse qui s'appelle Valkyrie. Voilà, j'ai ça, j'ai un ID, un name, etc. Bon, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Le name, il est un peu bizarre. Le number, je ne sais pas ce que c'est. Donc, qu'est-ce que fait JSON-LD? Il va essayer de donner du contexte. Il y a un site, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle schema.org, qui est un espèce de truc qui essaye de standardiser des schémas d'énormément d'objets, des lieux, des personnes, des équipes. Faut aller dessus, il faut fouiller, et en gros, on finit par trouver un objet qui correspond à ce qu'on essaie de représenter, et il va dire qu'est-ce qu'on doit trouver là-dedans. Alors c'est ce que j'ai fait dans le cas d'un joueur. Ce qui s'en rapprochait le plus au final, c'était une personne. Mais le JSON-LD, il fait quoi? Ben, il va rajouter une balise addContext, enfin une propriété addContext, addType. Et puis après, ben, j'ai essayé de réadapter la manière dont je caractérisais mon objet personne en mettant un identifieur, une image à la place de la pictures, etc. C'est un sujet vraiment passionnant. C'est pas du tout l'objectif de parler de ça ce soir. Pourquoi je trouve ça passionnant? Ben parce que c'est vraiment toute la question des données structurées qui, à mon avis, intéresse des gens qui ont des objectifs un petit peu opposés. Google adore généralement tous les exemples qu'on trouve quand on regarde un peu sur JSON-LD. Google adore parce que ben, ça leur permet de mettre dans leur moteur de recherche le résultat et d'afficher des pages avec. On n'a plus besoin d'aller sur les sites, vu que tous les retours sont bien qualifiés, etc. Et donc, ils centralisent la donnée. Et à l'opposé de ça, il y a le projet de Tim Berners-Lee qui s'appelle Solid, qui est une volonté au contraire de décentraliser le web. Et pareil, eux, ça les intéresse d'avoir de la sémantique sur la donnée dans le but de se la partager. Pas dans le but de la centraliser, mais de la partager. Sujet passionnant, et peut-être que quelqu'un sera branché pour faire un talk dessus. Deuxième partie, donc pour ranger tous mes acronymes là, c'est comment je navigue au sein de mon API REST. Alors, il y a un truc qui s'appelle le modèle de maturité de Leonard Richardson sur les API REST qui dit, bon, mon niveau 0, mon API, elle est nulle. Franchement, elle fait rien, c'est pas du tout de l'API.
Le niveau 1 d'une API, c'est j'aurai bien des ressources, une URI pour un type de ressource. C'est déjà pas mal, je suis un niveau 1, bon, c'est déjà mieux que rien. Le niveau 2, c'est non seulement j'ai bien mes ressources, mais en plus, j'utilise bien les verbes. Post, put, get, tout ça. Là, on est en level 1. Et le level 3, ce qui est hyper bien, c'est qu'en plus, on aura de quoi naviguer au sein de l'API. Et tout ça, c'est un petit peu tout ce qui est regroupé dans un terme que vous avez déjà rencontré ou que vous rencontrerez. C'est le HTOAS pour Hypermedia Engine of the Application State. Donc ça, c'est bien, c'est un principe. On se dit, OK, on sait qu'il va falloir qu'on puisse naviguer au sein de notre API. Sauf que le truc, c'est une contrainte d'architecture, le HTOS. Et que quand on essaye de faire ça, on est obligé de restructurer le format de son document qui est retourné. On ne peut pas le mettre au pif. Il faut bien qu'on dise où sont les liens, où sont les relations entre les objets, etc. Et du coup, là, on a pléthore de gens qui ont essayé de standardiser ça, de dire la bonne manière de faire, c'est ça. Par exemple, si je retourne une donnée, une seule donnée, est-ce que je dois mettre le contenu de ma donnée dans un truc data? Il y a des gens, voilà. En tout cas, la majorité de tous ces termes un petit peu chiants, JSON API, enfin c'est intéressant, hein, mais il y a vraiment beaucoup de discussions là-dedans, beaucoup d'acronymes qu'on retrouve dans cette catégorie de tentatives de spécification. Je vais vous donner un exemple sur le JSON API qui, a priori, marche plutôt pas mal. Il y a beaucoup de gens à utiliser le JSON API. Là, je fais mon appel sur un truc de base où je demande une liste paginée de joueuses. Je renvoie quoi? Un bête tableau avec deux joueuses dedans. Si je veux respecter le standard JSON API, je retrouve mon ID, je retrouve ma donnée, mais je suis obligé de la réorganiser complètement. C'est-à-dire, déjà, je suis obligé de donner un type et de mettre une balise attribute dans laquelle je vais mettre tout le contenu de mon objet. Et puis, je vais rajouter aussi dans des méta le nombre total de pages et puis le lien vers ma page suivante, précédente, etc. etc. Donc, ça, c'est JSON API. Donc, si on récap, pitule, pardon, j'ai oublié de lancer le chronomètre, flûte. À mon sens, en tout cas, moi, j'ai trouvé en faisant ces recherches et en essayant de dépatouiller tout ça, deux grandes catégories, donc tout ce qui est la sémantique, linked data, et puis tout ce qui est les liens, l'hypermédia. Donc, dans les linked data, on trouve le JSON LD. Dans tout ce qui est hypermédia, donc il y a cette espèce de grand anneau pour les regrouper tous, c'est le HTOS, et dedans, le HAL, le Monson, etc. Il y en a un qui s'appelle Hydra, il fait les deux. Hydra, c'est ça. Alors, Hydra, pareil, qu'est-ce qui a déjà utilisé de l'Hydra ou qui a déjà lu de l'Hydra? Ok. Je pense qu'on y reviendra sur l'Hydra. Donc la question c'est, OpenAPI là-dedans, ça se place où? Ça sert à quoi? Alors le truc, nulle part. Ça n'a juste rien à voir. Rien. C'est quasiment orthogonal à tout ce qu'on vient de voir. C'est autre chose. En fait, OpenAPI, c'est une spécification donc, qui va permettre d'écrire un fichier dont le but, ça va être de décrire, produire, consommer, visualiser un service web REST. C'est un fichier qui est complètement indépendant des retours de ce que fournit l'API. Et ça va constituer ce qu'on appelle, ce que je nommerais, un contrat fourni par votre API. Alors je dis je nommerais, ce n'est pas vraiment vrai. En fait, c'est Quentin qui m'a appris ça. Vous verrez, on a fait sur un coding Cancamp, justement, on discutait de ça. Et donc c'est lui qui le premier qui m'a dit, ah, je suis cool, un contrat d'OpenAPI. Voilà. Donc, comment on écrit ça maintenant? Un contrat OpenAPI. Alors, en gros, c'est ça. Ici, il y a. Alors, j'ai dit, ça s'écrit soit en JSON, soit en YAML. Moi, très bêtement, au départ, c'était en JSON. Et je pense que ce n'était pas étranger à la confusion. Non, OK, c'est du JSON. Mes trucs retournent du JSON. Donc, on peut l'écrire en YAML. Donc, pareil. Je l'écris en YAML, comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de confusion. Ça, c'est les entrées principales d'un contrat OpenAPI. La version qu'on utilise, la version d'OpenAPI. Des infos un petit peu globales, une espèce de README de notre API. Des infos sur la sécurité, les serveurs, les tags, je vous montrerai vite fait à quoi ça sert. Les passes, en fait, c'est là où on va décrire tous nos endpoints. Donc, player, et puis après, pour un endpoint d'un type d'objet, on va définir le get, le delete, enfin voilà, on va les verbes.
qui sont d'ailleurs fournis par notre API. Et component, c'est là où, en gros, on va décrire les objets qui nous servent à décrire notre API. Donc on peut définir les objets qui nous servent pour la sécurité. Le schema, en gros, c'est les objets qu'on va retourner, typiquement un player, dans les exemples que je vous ai montrés. Et les paramètres, c'est beaucoup les décrire les objets qu'on utilise justement dans les query parameters, quand on fait des requêtes. Alors voilà, un petit exemple d'info générale un petit peu plus poussé, la version de l'API, le titre, on peut mettre la description, on peut formater ça en markdown. Les termes de service, le contact, moi là j'ai essayé de le remplir à fond dans tout ce qui était spécifié. Donc les objets, comment est-ce qu'on définit les objets? Par exemple, j'ai un objet player, je peux lui donner une description, je dis que c'est un objet, ses propriétés, etc. Donc on voit qu'on commence à typer un peu les objets qu'on est en train de retourner, ce qui est plutôt intéressant. On peut mettre des informations de validation. Le standard OpenAPI se rapproche de plus en plus, en tout cas il y a une volonté commune visiblement entre eux, d'utiliser le JSON Schema. Le JSON Schema, encore une autre spécification qui n'est pas non plus réellement un standard. Hein. Le JSON Schema, je ne crois pas que ça soit du tout accepté en standard. En tout cas, c'est un mode c'est un vocabulaire qui est formalisé, qui va permettre notamment de valider un objet JSON. Typiquement, un min length, un max length, enfin voilà, ce genre de choses. Ce qui fait d'ailleurs que j'ai un petit peu évacué le reste. Tout à l'heure, quand je disais qu'on peut avoir du CSV, on peut avoir du XML, bon, dans tout ce que j'ai trouvé, notamment au niveau d'OpenAPI qui se rapproche de JSON Schema, ça sous-entend que... on doit pouvoir décrire en JSON du XML. Je ne sais pas trop, je n'ai pas étudié la question. Les informations sur les poids d'entrée, typiquement j'ai un pass, donc mon entrée players, c'est-à-dire pour avoir une liste, en get, pareil, je donne une description, l'operation ID, on y reviendra peut-être tout à l'heure, les fameux tags dont je vous ai parlé, en fait ça permet de classer hein, tous nos endpoints, les paramètres, typiquement je voudrais un paramètre en pagination, donc je le mets dans la query, mais après je pourrais avoir des paramètres dans le pass aussi dans d'autres cas, notamment si j'ai un slash ID player, lui, il va être dans le pass. Je le définis, je peux donner des exemples. Et après, il faut que je décrive ce que ça retourne. Là, typiquement, une réponse. Pareil, je lui donne une description quand je suis dans le cas d'un JSON. Bon. Je passe les détails parce que ça peut être un peu hyper long si je me mets à tout décrire. Notez qu'on peut donner des exemples. Mais surtout, notons que c'est très long. C'est très long, ça c'est un des premiers trucs. Pour un simple CRUD, si on veut bien écrire notre contrat OpenAPI sur un CRUD, faut définir bien comme il faut tous ces objets, et puis vraiment tous les endpoints, et pour chaque endpoint, lui dire si j'ai une réponse 200, si j'ai une 404, si j'ai une 500, etc. etc. Donner des exemples, pareil, j'y reviendrai, mais... Ça peut être vraiment très long de bien écrire son contrat. Heureusement, y a des aides. Il y a moyen y a des outils qui permettent de raccourcir un peu ça. Alors, dans la spécification elle-même, déjà, on peut utiliser des hrefs. Des hrefs, c'est ce qui permet de référencer dans l'arbre de notre contrat OpenAPI des choses. Typiquement, c'est pour ça que notamment on a les component schema. On ne va pas les réécrire dans nos passes. Dans nos passes, si on retourne quelque chose qu'on a déjà défini dans notre schema, on fait une référence à ça. On peut le faire aussi pour les parameters. On peut le faire pour pas mal de choses. Donc déjà, des références au sein de son contrat. Ça raccourcit les choses. On peut faire, appelons ça de la composition d'objets, c'est-à-dire splitter un objet en plusieurs sous-parties et puis recomposer ces objets en fonction des réponses. Je pense typiquement, on demande une liste. On ne renvoie pas forcément l'intégralité de notre objet player dans la liste parce qu'on n'a pas besoin de tout afficher, on veut économiser ça. Ça serait un petit peu pénible d'avoir à faire deux objets player, une espèce de player list un peu bancal, etc. Bon, au final, on fait un truc un peu bancal qui sera... player minimal content ou je sais pas. En tout cas, l'idée, c'est ça. On peut aussi redécouper ces objets et les recomposer derrière. De même qu'on peut avoir des tableaux qui vont envoyer plusieurs types d'objets.
Donc, dans ces cas-là, on va dire le one-off ou ce genre de choses. Bon, après, allons plus en avant. On peut aussi, parce que le fichier peut être très très long. Moi, je déteste avoir des fichiers trop longs et naviguer trop dedans. On peut splitter notre schéma en plusieurs fichiers et utiliser des utilitaires genre Swagger Clip pour on lui donne le point d'entrée, on lui dit où il y a tout, il est capable d'aller reconstituer le schéma complet. Pareil, dans les aides, on a des linters. Ça aide bien quand on est en train de taper, de savoir qu'on n'a pas raté l'indentation, etc. Donc, j'ai cité ESLint et Prettier parce que je fais beaucoup de JS, mais donc, ça prend en compte le YAML. Et puis, il y a des plugins qui sont capables de dire, oui, quand je suis dans un paramètre, tu peux mettre dans ces cas-là un schema. Enfin, voilà, ils maîtrisent à peu près le vocabulaire. On peut utiliser des validateurs de contrat. On a fini notre contrat, on le passe au validateur, il dit OK, valide, pas valide, pas valide, parce que ici, tu as oublié tel type de truc. Typiquement, dans les infos, moi, mon validateur, c'est pour ça que le schéma minimum que je vous ai mis, c'est le minimum que je pouvais mettre pour passer le validateur spécifique. Sinon, il me disait non, s'il n'y a pas de contact dans l'info, ton truc n'est pas valide. Il y a même, alors je l'ai mis ici un petit peu à la Walou, il y a un validateur qui est capable de manger le schéma et de dire s'il y a des trous de sécurité, des failles de sécurité. A priori, si tu gères ta sécurité, j'ai pas tout lu, je pourrais. On pourrait y revenir après, j'ai plein d'exemples que je peux vous montrer. Comme la présentation me semblait un peu longue, je passe pas sur les exemples à chaque fois. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez là-dessus, des points qui vous ont un peu parlé. Typiquement, l'API Security, je pourrais vous montrer ce qui sort quand on lui envoie un schéma sans sécurité. Il y a un paquet de plugins pour Vim, qui marche plus ou moins bien. Pour VS Code, il est pas mal. Et les deux autres, je n'ai pas testé. Il y a des éditeurs dédiés. Là, je vous ai mis un screen de Stoplight Studio, que je trouve plutôt pas mal. Pareil, il tourne en fond. Je pourrais vous le montrer éventuellement tout à l'heure, si vous voulez, comment ça marche. Ça aide bien, ça aide quand même bien à rédiger son contrat d'API. Et puis, non, on verra ça plus tard. On a fait notre contrat d'API. C'est un peu long, c'est un peu formel, mais on a plein d'outils. On sait qu'il est valide, on l'a passé dans le validateur. Yahoo, on sait que ça marche, pareil. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on peut faire plein de trucs. J'ai commencé par citer ça, c'était peut-être pas la meilleure idée. Mais on peut faire des serveurs de mock d'API. Il y a plein de projets, on lui donne un schéma API, ça, un contrat Open API. Donc, il voit ce qu'il y a à faire, il est capable de tout de suite simuler un faux serveur. Il renverra des fausses données. Mais ça permet de, notamment, par exemple, si on se dit je commence à travailler, je fais mon contrat d'API et hop, tout de suite, on peut avoir un truc qui moque le truc et on commence à bosser, notamment en front, pour implémenter ça. Il y en a plein. Il y en a un qui est en mode SaaS, Sandbox, qui est pas mal. Il y en a un qui s'appelle Prism, qui est en JS, API Sprout, qui est en Go. Ils marchent tous plus ou moins bien. Il y en a, ça dépend. Il y en a, par exemple, qui demandent à ce qu'on mette des exemples. Pour que ça, la sortie soit un peu parlante. Mais la vérité, c'est que l'Open API, ça permet surtout, et en tout cas, c'est pour ça que c'est connu, et si vous en avez déjà fait, je subodore que vous êtes arrivé par cette porte d'entrée, c'est ça fait de la documentation. D'ailleurs, Open API, à la base, c'était Swagger. La spécification de Swagger, tout le monde, ça a été tellement utilisé qu'ils ont décidé de se mettre à plusieurs et donc ils ont monté l'Open API Initiative. Donc, il y a plusieurs boîtes qui se sont mis ensemble et qui ont transformé le Swagger en Open API. Mais à la base, c'est vraiment Swagger. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais vu une doc Swagger? Quelques-uns, des timides? Non. Je vais vous montrer quand même, parce que c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Alors, il faut juste que ça s'en aille. Voilà, ça, moi j'ai fait une... Alors, je pourrais vous montrer mon contrat d'API. Swagger, il le prend, il est capable d'afficher un tas de trucs, la version de son API, la version d'Open API qu'on utilise. Là, il va choper toutes les infos, il met des lignes dessus. Je suis passé hyper rapidement dessus. Il y a une entrée serveur où on peut lui définir des serveurs. Alors, typiquement, un serveur de dev, serveur de prod, serveur de pré-prod, etc. Là, du coup, moi, je l'ai fait pointer vers des mocks pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Donc, j'ai fait un mock Prism.
J'ai fait un mock avec API Sprout et puis j'ai fait une petite API express minimaliste avec un fichier JSON d'exemple. Donc il sort tous les endpoints, il est capable d'exposer les schémas que j'ai définis. Bon, j'ai défini que call player, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand on ouvre un endpoint, il utilise ma description, etc. Il va donner tous les paramètres, il va mettre les exemples que j'ai mis dedans ici. Il va définir à peu près ma réponse. Là, il utilise un exemple que j'ai donné en réponse. Et il permet d'essayer ces requêtes. Donc là, je dis OK, je veux essayer une requête. Donc là, il va mettre tous mes paramètres d'exemple par défaut. Et je lui dis vas-y, lance-toi. Et voilà, il va faire la requête sur les serveurs qu'on a fait. On n'a rien d'autre à faire. Moi, je trouve ça génial. Donc ça, c'est API, c'est lequel que j'ai utilisé? Je ne sais plus, c'est Prism qui génère de la fausse data. Voilà. Et donc, on a ça pour tous les endpoints. Donc, je reprends le cours du talk. Donc, de la documentation. Il y a Redoc aussi. Que je trouve vachement moins bien. C'est du React, donc j'ai pas pu m'empêcher d'essayer de le mettre en place. Je fais beaucoup de React. C'est plus joli, mais ça marche moins bien, je trouve. Les features, on peut pas faire de call, par exemple. Moi, je trouve que faire des calls sur les serveurs, c'est génial. Autre chose qu'on peut faire, automatiser la validation. Donc tout ça, c'est un petit peu le rapprochement avec le JSON Schema. JSON Schema, pareil, je crois que c'est pas mal utilisé en PHP. On trouve plein de librairies qui utilisent JSON Schema pour faire de la validation d'objets JSON. Pareil, je pourrais vous montrer un exemple, notamment là sur le client, notre fameux client dont je parlais au tout début. On a utilisé un truc qui s'appelle Express Open API Validator. C'est quoi? C'est une espèce de middleware qu'on met au-dessus de nos routeurs, de nos endpoints, etc. Et lui, il va cacher systématiquement tout ce qui rentre, tout ce qui sort, comparer l'URL aux paramètres qu'on lui donne en entrée ou alors à ce que l'API ressort, et il pète une erreur si ce n'est pas valide. Donc comme ça, le jour où vous avez un petit décalage entre votre doc et ce que sort votre API, bam, ça pète. C'est risqué, mais ça permet d'avoir une documentation toujours à jour. C'est pas mal. On peut générer des tests, voilà, dans la même logique. Hein. À partir du moment où on peut décrire notre API, on peut imaginer qu'on va coder quelque chose qui regarde l'API, se dit « Ok, je sais que je peux tester des appels en GET, en POST, en envoyant ça, en testant tel type de paramètres, etc. » Donc on démarre un serveur, on lance Dread dessus et il va tester tous les types de requêtes qu'on est susceptible de faire sur une API et regarder ce que ça sort et est-ce que ce que ça sort c'est valide ou pas. Est-ce que les codes d'erreur sont bons, est-ce que mes retours de messages en erreur sont bons, etc. Et ça relativement rapidement. Pareil, je pourrais vous faire une petite démo si vous voulez. Et on peut générer encore plus globalement que ça des kits de développement. Alors qu'est-ce que c'est qu'un kit de développement? On va pousser notre logique à fond. Hein. Notre truc est capable de générer de la doc, de générer des validateurs. Il peut générer des serveurs. Et effectivement, il y a des projets où, une fois qu'on lui envoie notre contrat d'API, il propose de télécharger des serveurs en Go, en Java, en PHP, en Rust, en tout ce qu'on veut. Je pourrais vous montrer. J'ai pas essayé. Un peu mitigé sur certains trucs, mais en tout cas, voilà, ça peut être super utile, mais j'y reviendrai un petit peu dans la conclusion. Il y en a un qui est en React, je veux bien vous montrer quand même parce que je trouve ça chouette. Non, le truc que je trouve mortel, je suis désolé, ça va peut-être n'intéresser que les gens qui font un petit peu de React et du TypeScript. Parce que ça fait du TypeScript. Et donc ce truc, prend le schéma d'API et en gros te sort des hooks. Des hooks pour appeler ton API. Alors je passe les détails d'implémentation, etc. Mais un hook c'est quoi? C'est le useGetPlayer. Donc là, en gros, le code, tout le code qu'il y a derrière le useGetPlayer, c'est le code qui s'est auto-généré. Je l'importe là dans une page où je veux afficher des players. Je lui passe juste le player ID en paramètres, sans passer les détails.
Je reçois une data que j'appelle player et derrière, si je fais player point, et ben là, j'ai tout le contenu de ce que me renvoie mon API avec le type. C'est super. Franchement, je trouve ça magique. En tout cas, c'était un des trucs que j'attendais un petit peu avec le GraphQL et que j'ai là, ça envoie. Bon, à voir. En même temps, c'est juste sur la démo. Hein. Je ne l'ai pas utilisé en vrai en production. Et ça, ça donne quoi? Alors pareil, alors quand même pour avancer un peu l'intérêt d'OpenAPI, là, ce site, bon, qui certes ne ressemble à rien, hein, je suis d'accord, mais Create React App, ce truc-là qui m'a géré tous mes mocks, franchement, 5 minutes chrono pour faire ça. Mock d'API derrière, pareil, c'était déjà pris, j'avais mon schéma de prêt. Mais du coup, j'ai un truc qui me balance une liste depuis un serveur de mock. Alors la preuve, c'est que si je reload, c'est jamais les mêmes données. Là, moi, je suis parti d'un JSON un peu plus conséquent quand même. Donc là, il me sort ma liste des joueurs. Et là, j'appelle un joueur et là, j'ai pas de connexion Internet. Donc c'est pas grave, on verra pas la photo. Mais voilà, à peu près, vraiment, hein, 5 minutes chrono pour faire ce truc-là. C'est plutôt cool. Ok. Et puis, et en fait, c'est un petit peu le « et » de tout à l'heure où j'ai dit « je passe vite fait », etc. Bon, ben, il y a quand même un truc, depuis le début de ma présentation, c'est que je fais comme si la bonne attitude, le bon truc pour faire faire de l'Open API, c'est se fader l'écriture du schéma, et puis derrière, on déroule. Bon, en vrai, il y a une manière qui est plus simple de faire. Donc là, on va commencer à parler de schema first, contrat first ou code first. C'est d'avoir des trucs qui te permettent de générer ton contrat à partir de ton code. Le faire dans l'autre sens. Donc il y a quelques tentatives un petit peu nébuleuses. Moi, j'en avais jamais entendu parler. En tout cas, il y en a un en Nest. Alors, on a une conférence sur le Nest. Donc il y a moyen dans un serveur qu'on écrit en Nest. En gros, c'est quoi? C'est on met des commentaires. Avant c'est handler, avant c'est route, avant appelez-les comme vous voulez. On met du code qui décrit à peu près ce qu'il y a dedans, et puis y a un parseur qui va aller là-dedans, qui va aller lire toutes les routes, qui va récupérer tous les commentaires qui correspondent au format Nice qu'on aura voulu utiliser, et puis il va générer notre contrat OpenAPI. Et le plus connu, c'est quand même API Platform. Pour moi, ce truc-là, tous ces trucs-là, toutes ces technos, c'est API Platform. J'ai pas donné d'exemple. Pareil, j'ai un exemple d'OAS, donc qui est censé être un langage agnostique. Genre, on peut mettre des commentaires, que ce soit du PHP, du JS, du what else. Le parseur, il est capable de manger n'importe quel type de fichier, de régénérer. Ça n'a pas marché, mais je peux vous donner un exemple de ce à quoi ça devrait ressembler. Et j'en arrive à la conclusion, déjà. Donc c'est bien ou c'est pas bien OpenAPI. Bon, à vrai dire, j'ai pas du tout l'ambition de vous dire si c'est bien ou c'est pas bien. J'en sais rien. En plus, ça fait pas tellement longtemps que je l'utilise. C'était le tout début de ma conf. Hein. Donc il a fallu que je m'y réintéresse depuis pas si longtemps que ça. Mais en tout cas, je vais essayer de dégager les points qui m'ont semblé plutôt cool et puis ou plutôt bien, plutôt positif. Et ceux qui m'ont semblé moins bien. Alors le moins, c'est pas un standard. On en revient à cette pléthore d'acronymes REST, de JSON API, de DateOS, tout ça c'est des spécifications, c'est pas des standards. Et ça c'est un des trucs que je trouve un petit peu pénible avec le REST, c'est que on n'a pas de standard. Et c'est un petit peu dur de choisir qu'est-ce qui va émerger, sur quoi on peut vraiment se baser. Je sais pas. Je sais pas. En vrai, j'ai plutôt confiance dans l'équipe des tilleuls, où quand même c'est un truc qu'ils maîtrisent vraiment bien, etc. Et si je devais en choisir un, j'irais choisir ceux qui, eux, ont utilisé. Et d'ailleurs, dans le tas, il y a l'Hydra, donc du JSON LD plus un autre truc. Ils utilisent pas mal OpenAPI aussi, pour tout ce qui est génération de doc, etc. Mais en tout cas, n'empêche que c'est pas un standard. Et ça, moi, je trouve que c'est un souci. C'est hyper long et hyper fastidieux à écrire. Si on veut le faire bien, et encore une fois,
Enfin, non, pas encore une fois, mais ce qui est bien, c'est tout ce qu'on peut faire avec un contrat. Mais alors, toutes ces libs, projets que je vous ai montrés, etc., plus le contrat est bien fait, plus ça va être efficace. Il y a un paquet de ces outils-là qui ne vont pas marcher si vous n'avez pas tout mis, si vous n'avez pas mis d'exemple, si vous n'avez pas mis de paramètres. Enfin, voilà, ils vont dire non, moi, je ne bosse pas avec un contrat Open API dans cet état-là. Et puis, il y a la question des versions aussi. Les versions changent pas mal. Il y avait un Open API 2, version 2, il y avait le Swagger, et puis maintenant, il y a le 3, et puis il y a le 3.0. Là, on en est au 3.0.2. Et notamment sur tout ce qui est validation, vaut mieux prendre la dernière version, c'est là où ils sont plus proches du JSON Schema. Mais du coup, tous ces outils-là ne sont pas forcément d'équerre avec. Le, on est en Normandie, le peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En fait, au tout début, quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, ok, je vais faire un talk là-dessus, de quoi je vais parler, qu'est-ce qui me branche là-dedans. Ce qui me branchait, moi, c'était l'approche contrat first. C'était ça qui me branchait dans le GraphQL, cette idée, cette grande idée que... Bah, on va discuter entre nous d'abord du domaine métier, on va essayer de faire émerger justement le domaine métier, on va avoir un espèce de truc de référence qui aurait été éventuellement un contrat Open API qui fera un peu foi dans tous nos développements. On va bien l'écrire, on va bien être d'accord et puis bah, une fois qu'on sera tous mis d'accord, allons-y, les bacs développent leurs bacs, les fronts leurs fronts, etc. Alors déjà, ça marche bien si on a une bonne équipe. Qui est déjà prête à bien discuter de ça, qu'on est suffisamment nombreux pour faire du back et du front, parce que quand on fait et le back et le front, bah, c'est un peu chiant d'écrire son schéma pour s'imposer ça. Voilà, c'est des grands principes. Et puis encore une fois, si on se base trop là-dessus, qu'on a un tooling qui va auto-générer, l'intérêt, ça serait ça, c'est d'utiliser du code généré, bah, il faut s'assurer qu'on n'est pas rigide. Typiquement, si on écrit un schéma, on y passe un temps fou, etc., bah, ça va devenir pénible de vouloir y rajouter un truc. Et puis surtout, si on rajoute des éléments dans notre schéma, est-ce qu'on va pouvoir régénérer tout le code qu'on utilise derrière? C'est une vraie question. Donc c'est d'où le peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Est-ce que le contrat first, c'est bien? En tout cas, on n'est pas obligé de faire du contrat first. On peut faire aussi donc, du code first avec d'autres types de lib. En sachant qu'au passage, on dit code first parce qu'effectivement, on va écrire d'abord notre code, on va le commenter, on va générer notre schéma, on va faire notre documentation, etc. Ça n'empêche pas d'avoir des commentaires hyper longs. Si on veut que ça soit bien fait, il va quand même falloir le... En tout cas, je n'ai pas trouvé de projet suffisamment malin pour aller faire une introspection à l'intérieur de ces handlers, de ces objets, etc. pour générer un super schéma Open API qui dépote avec tous les validateurs qui sont là. Dans le peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ben, il y a le tooling, donc j'en ai déjà parlé. En même temps, c'est génial, il y en a plein, mais il y en a trop, en vrai. C'est un petit peu comme en JavaScript, tu ne sais jamais quelle librairie choisir. Je pense qu'on peut, c'est pareil avec Composer, on ne sait pas forcément laquelle est la bonne. Et surtout, il y en a beaucoup, mais qui ne vont pas forcément se baser sur la même version d'Open API. On va avoir un outil, on se dit c'est celui-là qu'il me faut, mais lui j'ai besoin d'une API en version d'un contrat en version 3. Et puis l'autre librairie qui est super, elle a besoin du 3.0.0.2 et c'est pas forcément rétrocompatible. Donc voilà, il y a du peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et par contre, il y a aussi un paquet de plus. Hein. C'est juste la documentation, elle est mortelle. Et c'est mortel d'avoir de la documentation sur du code. Je trouve, plus ça va, plus je trouve ça vraiment bien. Mais en même temps, c'est de la documentation qui est proche du code, malgré tout. Enfin, tout ça, c'est pas, on ne va pas aller écrire de la documentation sur un site séparé. Il ne faudra pas aller penser à mettre à jour, etc. Le contrat, il est dans le code, il est dans notre repository, on l'a sous la main à chaque fois qu'on met à jour quelque chose. Alors, que ça soit en code first, qu'on le régénère, ou alors que ça soit un fichier séparé qu'on doit maintenir à la mano, n'empêche que tout ça est dans le repository. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, en plus, si on met un validateur des contraintes au niveau de ce qui rentre et ce qui sort de notre API avec des systèmes du type celui dont je vous ai parlé, dont je pourrais vous montrer le code, ben ouais, on est sûr que la doc elle va être à jour. Parce que si, pour peu qu'on ait mis des tests fonctionnels, sans même parler de thread, mais on fait des tests fonctionnels sur nos endpoints, ben les tests ils vont péter très vite dès qu'on aura un décalage entre ben, notre documentation et ce que sort vraiment notre API. Et ça, vraiment, c'est vraiment chouette. Un truc qui a l'air anecdotique, mais c'est une documentation qui se partage hyper facilement.
hyper facilement. Je me demande même s'il n'y a pas un endroit dans la spécification où c'est dit explicitement qu'on a un endpoint qui sort le schéma de OpenAPI qui une espèce d'auto-référence à lui-même. Et ça, pourquoi je dis ça? La vérité, et j'en reviens au tout début de notre conf, là, de mon client, si jamais vous regardez les comptes, d'ailleurs, je vous verrai, il y a un hashtag, il y a son nom sur Twitter, hein, c'est un mec que je vous conseille de suivre, qui est très bien. Bref, il n'a pas fait ça pour nous embêter. Le truc, c'est que sur notre projet, ils ont plein d'équipes différentes qui travaillent sur des projets un peu différents, mais qui sont des projets back, donc encore une fois, des espèces de macro-microservices, mais il y en a beaucoup. Et ils ont fait un portail qui regroupe la doc de tous ces projets-là. Ils font quoi? Ils attaquent chaque endpoint sur chacun des projets. Ils ont imposé à ce que chacun ait un endpoint avec un OpenAPI.json. Et donc, il y a vraiment un portail développeur. Et ça, quand on arrive sur le truc et qu'on a besoin d'utiliser un autre service, c'est juste génial. C'est techno-agnostique. Il y a des trucs dans tous les langages. Moi, j'ai trouvé des libs qui font des trucs, en Rust, en Go, en Java, en JS. J'ai surtout regardé les JS, mais j'ai vu qu'il y en avait ailleurs. Et dans les autres plus, c'est la génération de code. Qui, mine de rien, le petit exemple que je vous ai montré, moi, ça m'a vraiment plu. Il y a plein d'idées qui peuvent émerger à partir de ça. Et ça se trouve, les gros projets, alors Swagger notamment, en fait, il y a un Swagger Editor, je vous en ai parlé vite fait. Dans le Swagger Editor, il y a moyen justement d'exporter et des SDK pour des clients et des serveurs. Je ne les ai pas testés. Je me dis, ça vaut peut-être le coup de le faire. Et alors, vraiment dernier point, parce que ça fait pile une demi-heure, en tout cas avec le retard du lancement. Les coding camp, Thomas vous en a parlé. Il se trouve que justement sur le projet de Job à Caen, il y a une PR en ce moment sur la mise en place d'OpenAPI. N'hésitez pas à venir, à regarder, à essayer des trucs, à poser des questions. Moi j'ai posé des questions, j'ai appris des trucs. Contrat d'API. Donc voilà, vous retrouverez l'URL facilement de ce truc-là, mais je vous encourage, en tout cas, si ça vous a questionné, interrogé, etc., n'hésitez pas, si vous ne savez pas trop par où commencer, à venir participer à ce projet-là. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Okay, donc on revient à la définition, je dis ça pour le record. On revient à la définition d'OpenAPI, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Donc c'était après ça, c'était après ça. C'était là. Yes. Mais les slides seront en ligne. Hein. Ils sont en ligne, ils sont publics, t'embêtes pas, ouais. D'accord. Mais enfin, tu peux, mais... Parce que là, j'avais une autre question. Je vais y aller, désolé. Je est-ce que ça facilite plutôt le boulot côté front ou côté back, en fait, je pense à notre projet de... C'est pensé plutôt dans un sens ou dans l'autre? C'est pensé dans un sens ou dans l'autre, plutôt back, plutôt front. Tout dépend comment t'approches le truc. Je dirais plutôt front. Clairement, pourquoi? Parce que encore une fois, on pourra en parler. Hein, j'aime bien l'idée du contrat first. C'est un truc, ça me plaît. Se mettre d'accord, avoir cette discussion. Sauf qu'au final, la doc, pas forcément, mais la doc va classiquement, en tout cas dans les utilisations classiques que j'ai des API, c'est effectivement une API qui va s'adresser à un front. En même temps, typiquement dans le cas du projet dont je parle, qui est un projet pour Arte,
tous ces microservices, et donc typiquement quand on se retrouve dans du microservice, un microservice c'est pas un truc qui est exposé directement, publiquement à une application front. Donc c'est beaucoup de services qui doivent discuter entre eux. Donc finalement, cette documentation, elle est utile. Donc je dirais de premier abord, comme ça, spontanément, pour répondre à ta question, ça s'adresse plutôt à du front ou à du back, je dirais du front. Mais en vrai, non, à tout le monde, à tous les gens en fait qui vont utiliser ton API. Il y a eu un article intéressant, je ne l'ai pas référencé il n'y a pas longtemps, sur le blog d'Octo, qui parlait de l'expérience développeur sur les API. Enfin, qu'est-ce qui fait que les gens vont... Si ton projet, bah, c'est une API et que le but est qu'elle soit amenée à être utilisée par plein de gens, qui est-ce qui utilise une API? Bah, c'est des développeurs. Qu'est-ce qu'ils attendent des développeurs? C'est bah, de la bonne doc et des SDK éventuellement. C'est quand même cool d'avoir un SDK quand... Quand on a payé, bon, bah, tu vois la doc et tout, et puis bah, tu as un truc, alors, typiquement, un truc, un use player, vas-y, pop, et puis ça m'envoie un truc qui me dit, ok, tu as tel type d'objet avec telle propriété dedans, c'est tel type. Ça, c'est bah, tout de suite, c'est beaucoup plus facile. Et pour des bacs et pour des fronts. Oui. D'une API, parce que c'est comme tu dis, contra first, c'est-à-dire que tu crées ton API à partir de ce truc-là. Ton API, elle n'est pas gravée dans le marbre, demain, ton devant pourrait potentiellement changer. Comment ça gère, bah, par exemple, s'il y a des nouveaux champs, ça va, c'est pas très compliqué, mais des champs qu'on doit renommer, ou des changements de comportement, ou des champs qu'on doit supprimer dans ton API, etc., etc. Comment est-ce que ça gère ce truc? Est-ce que ça perd? Alors, est-ce que ça facilite le versionning des API? Spontanément, je dirais oui. Oui, pourquoi? Parce que c'est un fichier. C'est un fichier, le contrat OpenAPI. Et que du coup, bah, tu changes de version, tu crées un nouveau fichier. Donc déjà, le fait d'avoir une documentation par version et un truc comme Swagger, par exemple, est capable, je crois, je n'ai pas regardé le truc, comment ça marche. Mais on peut changer le numéro de version de son API. Donc le Swagger, déjà, lui, il pourra indiquer, ben voilà, je sais que moi, je suis sur l'API sur telle version. Et déjà, on aura une doc hyper facilement, une doc pour chaque type de version. Je trouve que c'est déjà pas si mal. Après, sur l'implémentation concrète de ton changement de version, si la question c'est dans du code généré qui gérerait complètement ton serveur, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Ouais. Mais c'était un petit peu le truc mi-figue, mi-raisin dont je parlais tout à l'heure. C'est ok, c'est bien beau d'avoir, de pouvoir générer du code derrière, mais est-ce qu'on est sûr que ça va le faire proprement, qu'on va être capable de conserver des versions, etc. Après, si, yes. Si je dis pas de bêtises, si ça génère un SDK, pour apporter un élément de réponse, si ça génère un SDK, typiquement, tu peux en faire un package, oui. Tu peux versionner, oui. Et en fonction de ton schéma, ben, tu as une autre version de package et du coup, tu t'incrémentes ta version. Je pense que ça peut gérer de cette manière plutôt qu'intrinsèquement dans le code. Voilà. Ouais, modulo, qu'après, la question c'est comment je maintiens en vie une version d'API spécifique. Alors, ouais. Alors c'est ça serait franchement un autre sujet, mais ouais, non, mais le versionning des API, c'est un problème compliqué. Nous typiquement, alors, et c'est pour ça que ça me fait, et on pourra en discuter après, mais sur bah, chez Arte, ils avaient un gros problème de versionning, et notamment quand on va sur le portail de développeurs, mais ils ont 11 milliards de versions, c'est un enfer. Mais nous, je sais qu'on a géré le problème grâce à GraphQL. Notre fameux GraphQL qui est planqué derrière une API REST, eh ben c'est aussi lui qui gère les versions en fait. Parce que lui, GraphQL est vachement plus souple là-dessus, etc. Et donc on a des queries GraphQL qui correspondent en fait à notre versionning REST. Et c'est super. C'est super. Bien joué. Yes. Ça va être pas mal aussi parce que tu as des paramètres dans ton schéma et dans ta description des endpoints qui
qui permettent de déplacer en deprecating. Ouais. Donc oui, dans le schéma OpenAPI. Et du coup, donc, typiquement, la documentation, tu vas voir où c'est barré, etc. Donc vu que c'est, déjà, ça va s'afficher, ça va être facile pour tes clients de le voir. Et en plus de ça, dans le header de ton contrat d'API, tu as un champ qui s'appelle version. Et donc lui, tu peux spécifier la version de ton API. Donc après, comme disait Alexis, la version de l'API, c'est des discussions complètement à part, mais tu peux spécifier la version de ton, enfin, la version de ton contrat, donc qui correspond à la version de ton API. Et donc ça, après, c'est pareil, ça marche sur le serveur classique, sender classique, par exemple. Et tu as un petit outil qui s'appelle OpenAPI Diff, qui permet de générer de la documentation sur un change log entre deux contrats d'API. C'est un petit outil qui est sympa, je fais ma promo parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais en gros, ça génère du markdown, de l'HTML qui va lister tes différents changements entre tes deux versions de ton API, si des paramètres en plus, des paramètres en moins, des paramètres quand t'es déprécié, si ça a été des changements bloquants ou pas. Et d'ailleurs, je me permets de citer un site qui s'appelle openapi.tools. Dedans, il y a 15 000 liens vers 15 000 projets. Pour générer du code, pour générer de la doc, pour plein d'utilitaires pour OpenAPI. Ouais, ça c'est un peu l'enfer du tooling dont je parlais, c'est que il y en a beaucoup. À un moment donné, c'est compliqué. Alors, là, je voulais juste montrer, effectivement, je crois que dans leur exemple, il y a un truc qui est en deprecating, je sais plus où c'est. Je l'ai passé. Ouais. Ici. On voit effectivement, on peut mettre des endpoints qui sont deprecating. Oui. Moi, je veux savoir comment ça gère les autorisations, les authentifications. Je ne sais pas bien. Alors, peut-être que je peux filer le micro à quelqu'un quand on a fait plus que moi. Nous, en gros, là où je l'ai beaucoup utilisé, c'est donc un genre des microservices. On marche beaucoup avec des tokens. Donc alors, je n'ai pas montré les exemples parce que c'était compliqué de montrer vraiment tout ce qu'il y avait à faire. Mais c'est assez simple de dire qu'on utilise par exemple des tokens et de dire où doit être le token dans le header, le nom qu'on va donner dans le header, si on met un token avec un bearer, machin, je crois qu'il y a moyen de décrire ça. Mais après, si on fait une authentification haute, par exemple, je ne sais pas du tout comment on va gérer ça. Tu veux. Ouais. Dans les contrats OpenAPI, un truc qui s'appelle Security, je crois. Ouais. Et en fait, maintenant, là sur la page, ça te permet de gérer donc, ton authentification. Et là, on peut le voir, donc un truc API, enfin dans la doc, les endpoints qui ont été marqués utilisant la Security, ils ont des petits cadenas, ça veut dire qu'il leur faut une clé d'API. Et en fait, dans cette partie sécurité, tu vas décrire comment gérer tes sécurités. Donc, tu as un truc pour le mode où tu dis que tu vas faire un header authorization avec un HTML token, mais tu peux décrire de manière plus large, genre si c'est un cookie, si c'est un query param, si c'est ce que tu veux en fait. Et tu vas assigner tes différents endpoints à ce scope de sécurité, et puis après, derrière, ça va t'afficher dans ta documentation. Donc comme ça, mon client est capable de savoir aussi comment il fait pour s'authentifier. Plus de questions? Est-ce qu'une API doit obligatoirement être REST pour être décrite par OpenAPI? Je ne sais pas trop. Il y a notamment des API type RPC, enfin, qui marchent aussi avec des verbes REST. Et on peut se poser la question de est-ce qu'on pourrait décrire une telle API avec... Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas leur volonté. Hein, quand on va sur le site d'OpenAPI, ils ciblent explicitement des API REST. Il me semble que plus la spécification avance, plus ils imposent des réponses et des paramètres qu'on ne va trouver que dans du REST. Mais c'est une bonne question. Si quelqu'un a une réponse définitive sur la question.
de suite. Oui. J'ai une autre question. Il y a un endpoint pour la doc. C'est oui. Si je fais curl, la base dans mon API, slash manuel, mon terminal va me donner la doc. Non, il va te donner le JSON en fait qui de ton contrat. Là, tu vois, typiquement là-dessus, bah, il te met un lien vers le Pet Store Swagger.io machin V2 Swagger JSON. Et si tu cliques dessus, bah, ce que tu as, c'est ton contrat. C'est pas ta doc. Ta doc, il faut que tu mettes tout le tooling de Swagger UI pour avoir la doc. Est-ce que tu as vu des initiatives, alors c'est peut-être celle de l'API plateforme aussi, je n'ai pas assez utilisé, justement pour commencer à gérer un petit peu tout ce qui va être pour la base de données typiquement, l'ORM, voilà, des choses qui utilisent à la fois, qui va générer à la fois ton API et ton schéma de base de données par exemple. Moi ce que je connais qui ressemble à ça, c'est l'API plateforme, effectivement. Après, on peut imaginer que ça soit possible, enfin, forcément. Hein. Si tu décris tes objets, tu as un schéma qui décrit bien tous tes objets, bah derrière, tu peux décliner avec un ORM la gestion de tes bases de données, etc., etc. On pourrait imaginer qu'il y ait un truc qui permette de gérer une interface d'administration complète. Encore une fois, je pense que c'est bon, après, c'est pas si simple, hein, parce que... Bon, typiquement dans l'idée hein, d'interface d'administration avec React Admin, donc chez Marmalade, on maintient un truc qui s'appelle React Admin. Alors, on a pas mal bossé avec les gens des TIL justement sur comment automatiser la génération du React Admin sur à partir de ce que renvoie l'API. C'est vrai que les ateliers qu'on avait fait avec eux, on a surtout bossé sur ce qu'on trouvait dans le retour de l'API lui-même. Donc sur tout le markup balancé par Hydra, en fait, beaucoup plus que par OpenAPI. Le truc, c'est que il faudrait que le contrat soit vraiment complet. Soit genre vraiment complet, que tout soit décrit, qu'on ait vraiment pour une liste, tous les paramètres c'est cela, etc. Et puis il faudrait pouvoir standardiser le fait que pagination s'appelle pagination. Et ça, c'est pas formalisé. Enfin, il n'y a pas de standard. Ça. Et c'est ça qui est compliqué en fait. Donc on a fait des essais, etc., notamment pour des clients qui avaient justement des contrats OpenAPI déjà faits, qui étaient généralement des trucs générés par le code, par divers trucs, ou plus ou moins maintenus par les développeurs. Mais c'est rarement des contrats béton, quoi. Et donc ça voudrait dire qu'il faudrait faire déjà un premier truc qui regarde le contrat, qui dit, déjà il manque ça, ça et ça, et puis moi ce que j'ai besoin de savoir, c'est ta pagination. Ok, là j'ai repéré que tu avais une liste. Dans tes paramètres, c'est quoi la pagination? Et ta pagination, comment tu la gères? Est-ce que c'est comme on a mis là, c'est-à-dire une pagination, ça va être un tableau avec la page que tu demandes et le nombre d'objets par page. Bon, tu peux faire une pagination avec ça, mais il y a d'autres manières de faire. Et ça, c'est encore une fois, il n'y a pas de standard là-dessus. Quoi. Et c'est ça qui est hyper compliqué. Oui. API plateforme et Node. Ouais. Il y a un équivalent d'API plateforme pour Node. C'est PHP, pour API plateforme, mais... Est-ce que tu as vu passer... Non, alors il y a pas mal de sites hein, qui référencent les outils liés à ça. Il y en a un qui s'appelle OpenAPI Tools aussi, où il y a une quantité étonnante de projets. Donc peut-être que là-dedans, moi j'ai vu pas mal, il y en a beaucoup qui sont faits en Node, qui sont faits en JS. J'ai déjà passé énormément de temps à tester, genre les plugins, les trucs de mock, les différents trucs qui génèrent le... tout un tas, les tests, les machins. Mais ça, j'ai pas testé, non. Donc je connais pas. Il y a un truc sur ce sujet-là, il y a une sur Node qui s'appelle Loopback. Loopback, donc a priori, ouais. Ok. Ouais, j'en ai déjà parlé. Ok. Sur l'idée, après sur le fonctionnement, pas du tout, mais j'ai eu des échanges déjà.
Ok. Donc look back, a priori, serait un projet ouais, qui cause à API Platform. C'est un peu le pendant node de ce que API Platform. Ok. Ça existe depuis un peu longtemps. Ouais. Juste pour compléter, c'est basé sur Express et ça permet de maintenir une API REST, ça permet d'exporter en OpenAPI ou un contrat OpenAPI. Et c'est pas mal foutu. C'est maintenu par les bêtes, donc ça va faire un peu du. Voilà. C'est un truc qui est pas mal suivi. Ouais. Ouais, c'est y a moyen d'y passer un temps fou. Ouais. Je trouve ça, un projet comme appelé plateforme, je trouve ça hyper bien, je trouve ça super balèze, ça accélère vraiment les devs et tout, sauf le jour où tu veux faire autre chose que ce qui était prévu. Enfin, c'est un petit peu le problème de tous ces trucs-là. Bon, mais c'est un autre débat. Plus de questions, mais je crois qu'on n'est pas loin. S'il y a vraiment une dernière question hyper importante, on la prend, mais sinon on doit être au niveau du timing, ouais, ça va être l'heure. Donc, ben, merci à tous, en tout cas. Et donc... on peut se retrouver pour aller prendre un verre à la quincaillerie. Oui, juste un petit mot. Ah oui. Pour vous expliquer la fraise du dentiste là, qu'on entendait tout à l'heure, c'était un petit peu pénible, mais il se trouve que si vous avez l'occasion de passer un jour, il n'y a pas de cancamp, le mercredi de 16 à 20h, je crois que c'est la même chose le samedi, il y a des machines assez sympas en dessous et on peut faire plein d'expérimentations. Il y a une grande fraiseuse qui nous a bien cassé les oreilles, mais c'est chouette. Et n'oubliez pas de prendre un ticket pour la quincaillerie avant de partir, c'est toi qui les as. C'est normalement moi qui les ai. Oui. Bon, c'est moi qui ai les tickets. Hein. Merci d'être passé. C'était cool en tout cas. Ouais, bah, écoute, je pense que vous connaissez certainement mieux que moi. Nous, on maintient la main. Tu vois.